を待ってろ。Hey, salut tout le monde, c'est Couille. Ok, donc le micro marche bien. Oui, c'était juste pour le test. Donc salut tout le monde, c'est Wake. Aujourd'hui, on se retrouve sur Call of Duty Ghost. Et on va faire le mode campagne. Hein, on va faire la découverte du mode campagne. Putain, et ce fond d'écran, je kiffe. Bon, allez. Donc ouais, je vous ai sorti la vidéo découverte du multi contre les bots, n'est-ce pas? Là, je vais rebaisser la sensibilité parce que je suis repassé à la manette. Hop, on va mettre ça comme ça. New game. This game save the world, d'accord, ok, on va mettre en... en moyen. Oula, j'ai mis un gros coup dans le micro. Je vous laisse la cinématique s'il y en a une. Et oui, c'est en anglais, on va juste voir les premières missions et on va s'arrêter là. Je vais essayer de faire un truc qui dure pas très très longtemps. Putain, c'est bien foutu quand même le chargement. Vous savez quoi, on va appuyer parce que j'ai pas trop le temps, désolé les gens. Je pense que la plupart d'entre vous vont le prendre, donc vous pourrez tester chez vous tranquillement. Hop, là je replace le micro. Désolé si ça fait des bruits. Mais bon, allez. Donc ouais, je vous ai dit, j'ai sorti la vidéo sur le multi contre les bots. Hein. Elle vous a pas mal plu. Et bah voilà, je suis content. C'est passé les mecs. Allez. Bon. Par contre, là, c'est en anglais. C'est dommage, la version française n'est pas encore sortie en même temps, vous me direz. Je me prendrai peut-être la version française après pour le solo. Alors oui, je sais qu'il y a un mode, une espèce de mode zombie, mais c'est avec des extraterrestres. Je me suis renseigné en fait, mais que après la vidéo. Il se débloque en finissant la campagne du jeu. Donc si on finit la campagne du jeu, on a une espèce de mode zombie, mais avec des extraterrestres. Le mode extinction. Je vous ferai une petite vidéo découverte dessus. Si je finis le jeu rapidement. Hop là, allez, là, on doit courir. Bon, c'est toujours aussi scripté, mais bon, c'est un Call of Duty, hein, c'est ça qui fait... C'est ça qui fait que ce jeu est, en solo en tout cas, est super... super péchu. Allez, bon, on court. Ok, c'est des voitures qui... Ouais, non, graphiquement, ils avaient parlé d'un nouveau moteur graphique. Franchement, je le vois pas là. C'est peut-être dans les nouvelles générations. Et là, je le remarque pas du tout. Franchement, pour moi, c'est pareil que du Black Ops 2, que du Modern Warfare 3. Oui, c'est bon, je te suis, t'inquiète. Allez, go. On y va. Donc, j'essaie de faire environ 30 minutes hein, de vidéo. Faut pas que ça dépasse non plus. Wow. Allez. Coco. Come on, allez, let's go. Oh putain. Ok, ouais, toujours ces phases cryptées. Moi j'aime bien ça, franchement ça me gêne pas. Tant que c'est bien fait, j'aime bien. En général dans le Call of Duty c'est assez bien fait. 2, 1, boom. Ok, et qu'est-ce qui se passe? 15 minutes avant. Oh, c'est Gravity. Oh putain, ça me fait trop penser à Gravity. Je sais pas si vous avez vu ce film. D'ailleurs, que je conseille à tout le monde, hein, c'est un truc de malade.
Mais c'est un film à regarder que au cinéma. Je vous conseille pas. Ah là, d'accord, je peux me diriger dans l'espace comme ça. Je vous conseille de le voir que au cinéma et pas chez vous en DVD ou en téléchargement ou je sais pas comment vous faites, mais c'est que au cinéma parce que franchement c'est un truc de fou. En IMAX 3D, c'est important. Je l'ai vu à Disney Village, c'est un truc de dingue. J'étais à fond dedans. Bon allez. C'est vrai que c'est bien foutu, moi j'aime bien ça. Ils ont essayé de varier un peu. On est dans l'espace, ok. Ah, c'est pour ça qu'il y a une histoire avec les extraterrestres et tout. Ok. Ouais, oh, en plus c'est une meuf, putain, c'est exactement comme Gravity le film. Ouais, vas-y. Donc moi ça veut dire que je suis George Clooney là. Parce qu'il y a George Clooney dans le film. Nespresso? What else? Ouais, je sais, je vais parler à une porte. Allez, go. Qu'est-ce que là, c'est... Ok. Ouais. La lenteur du truc. Hello? J'arrive. Oh, putain. Oh, énorme. Énorme, on va se battre comme ça en apesanteur. Oh, putain, il s'est fait défoncer, lui. Bon. Allez, go, go, go. Allez. On y va. Attends-moi, mais comment tu fais pour aller vite, toi? Elle va super vite. Ouais, je ramasse l'arme. Yeah. Oh putain. Ah, je tire et ça marche. Ah oui, je peux le diriger vers lui. Et hop là. Yeah. Ouais, j'ai eu un succès. J'ai rien fait, mais j'ai eu un succès quand même. Et bravo, vous avez réussi à viser et tirer. Oh yeah, bon. Putain, c'est lent et tout, attendez. Ok. Je vais tester un peu si les balles partaient vite. Enfin, je sais pas si c'est... J'ai jamais été dans l'espace, donc je peux pas vous dire si c'est comme ça, vraiment. Mais apparemment, je pense qu'ils ont bien travaillé le machin. Tiens, toi, crève. Tiens, toi aussi. Oh putain, il y en a un autre. Oh, c'est énorme, ça. Je peux changer d'arme comme ça et tout, attendez. Hop, voilà. Ça, c'est quoi? C'est une M-TAR aussi? Ouais. Ok, allez. On y go. Ouvre-moi. Allez. Go, go, go. La lenteur du machin, putain. Ouh, putain. Ils ont envoyé un truc sur Terre. Oula, ils ont envoyé un gros scud, là. Ouais. Tu vois ça? Bravo! Pas d'interaction avec les décors. C'est pas grave. Allez. Attends-moi! Ok. Oh putain, des méchants. Ouh! Putain, c'est spectaculaire, c'est un truc de fou. Oh putain, t'es pas sérieux. Oh, merde. Là, c'est complètement scripté. Putain, mais ça aussi, ça me fait penser à une scène de Gravity. Obligé, elle va mourir, elle. Ok. Donc je suis avec la fille de Rambo. Et c'est nickel, tu vois, les corps qui déambulent comme ça. Ah, t'as un méchant, là. Tiens, enfoiré. T'en as un autre, là. Yeah! Allez, go. Le soleil, là-bas. Putain, c'est super bien fait, j'aime bien, moi. Enfin, super bien fait. C'est pas super bien fait, mais... Ça change. C'est rare. C'est rare qu'on voit ça dans un jeu. Allez. Cours, Forest. Enfin, vol, plane. Enfin, je sais pas, mais fais quelque chose, Forest. D'ailleurs, ça aussi, c'est un film que je vous conseille, Forest Gump. Il est vieux, mais il est bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait, là, Mosley? Allez, faut ouvrir ce machin. Qu'est-ce que c'est que ça? Il faut tirer dessus? Ouais. Oh putain. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Get, je sais pas quoi. Faut que je tire encore? Ouais. Non, elle est morte. Non, elle est pas morte. J'en sais rien. Non, elle est pas morte. Si, elle est morte! Eh bah si, voilà.
Je l'avais dit. Ouais. Je le savais pas du tout. Franchement, je le savais pas du tout. Il dit ça comme ça. Parce que je sais pas, sa gueule, elle avait une tête de meuf qui allait mourir. Ouais, évidemment, là, on descend en mode enflammé. Et je vais m'écraser au sol comme une grosse merde. C'est ça que t'es en train de me dire? Ok. Très bien. Ouais. Ouh, ah, t'as le truc qui s'explose là, ok. Ouh. Pas mal. Franchement pas mal, allez go. Oh c'est bien, putain ça c'est péchu, c'est ça. C'est ça que j'aime dans les solos de Call of Duty. Ça bouge tout le temps, c'est un truc de fou. En général tu les fais d'une traite les solos. Tu les traces. Bravo, je suis mort. Ouais. C'était pas par là? C'était où, putain? Fallait passer par où, là? Tiens, je vais le suivre. Ah oui, c'était là. Allez, go! Allez! Je te suis, tonton. Le mec qui s'appelle Esh. Aïe! Strip! C'est vrai que les solos, on dirait toujours des films. C'est un truc de dingue, tellement ça bouge. C'est un gros film d'action là. Allez. Ouais. Ouais. Oh, putain. Allez go. Checkpoint. Cours Forest. Putain, t'as des trucs qui s'explosent de partout. Putain. Oh putain. Ouh. Eh sérieux, c'est bien fait. C'est bien fait. C'est spectaculaire. Ok, donc là je suis sonné. Allez. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, d'accord. Je crois que c'était un zombie qui s'approchait de moi. Oui, je parle dans des délires des fois bizarres, je sais. Monsieur a un crâne assez... Tu as un crâne en polygone, monsieur. Il est pas très rond, ton crâne. Bon. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, d'accord, je suis dans une voiture. Putain, t'as tout qui pète de partout. Wow, c'est la fin du monde, le bordel. Oh yeah! Call of Duty Ghost. Ok, c'est cool. Bon, je vais essayer de vous la mettre pour demain. C'est-à-dire pour le 4 novembre, c'est ça? Ouais, le 4. Ouais! Federation's rise to power had started years ago. Boom. When the great energy-producing deserts were destroyed, the world powers that depended on them collapsed. And in their wake, the Federation began to rise. The Federation united all of South America under one banner and devoured everything in its path as it moved relentlessly to the... Putain, ils sont en train de bombarder le monde, les mecs. After turning Odin against us, the Federation stood on the doorstep of America, poised for the kill. Donc je vous conseille de vous procurer le jeu si y en a qui ça intéresse et de faire le solo vous-même parce que là vous n'allez pas apprendre grand chose hein. Surtout que c'est en anglais et que je veux juste en fait vous montrer le maximum des missions que je peux en vite fait, donc c'est pour ça que je zappe les cinématiques, mais bon je le referai plus tard, il n'y a pas de souci. Pour poursuivre l'histoire, il y a quand même une petite histoire dans les jeux Call of Duty, hein. faut pas l'oublier. Même si c'est assez banal, mais bon, c'est pas... C'est toujours ça. Allez. On a combien, là? On est à 14 minutes. Ok, c'est génial. 14 minutes et j'ai rien foutu. Ouais, un chien. Riley. Eh, Riley, c'est pas... C'est dans Far Cry 3, je crois qu'il y a un mec qui s'appelle Riley. Et il est bien fait, le chien. Il y a des oreilles assez bizarres, mais ça va, il est bien fait. Bon, allez, go. Bon, allez, on patrouille avec le chien, là.
C'est vrai qu'il y a une grosse partie avec les chiens dans ce jeu. Ils arrêtaient pas de parler de ça dans les trailers, dans les gameplays et tout ça. Enfin, dans les trailers. Oui, c'est par où? Oui. Ah, ok, d'accord, je croyais que c'était un mur, ce truc. C'est tellement moche que je croyais que c'était un mur. En fait, c'est une espèce de bâche. Super. Allez, go. Oui, je signale que j'ai traversé la bâche. Attends, je vais essayer de le refaire. Pousse-toi. Hello. Fuck la logique. Bon. Ouais, c'est pas grave. Ouais. Ouais, un petit effet d'eau. À la Bioshock, bon, laisse tomber. Je voulais y retourner, mais laisse tomber. J'ai pas trop de temps. Oh putain, ils m'ont fait flipper. Qu'est-ce qu'ils foutent là, ces cerfs là? C'est le chien qui aboie là? Il a un aboiement de... Le tafiole ce chien. Bon, attends. Glissade. Est-ce que quelqu'un utilise ça dans le multi, sérieux? Je sais pas si... Ah, on peut tirer en même temps, ok. Ah, ça peut se faire. Alors oui, il y en a plein qui m'ont dit, ouais, les serveurs sont ouverts, ouais, tu peux aller jouer. Alors pour les gens qui l'ont eu avant la sortie du jeu, je vous déconseille fortement de faire ça, les mecs, écoutez-moi. Et parce que Activision sont très malins, ils font exprès de lâcher les serveurs avant la sortie du jeu pour voir ceux qui joueraient avant. Et vous allez recevoir un message pas très gentil de la part d'Xbox Live qui va vous dire, vous êtes banni jusqu'à l'an 2999 000. Voilà. En plus, c'est vrai, j'ai reçu ce message, c'est un truc de malade. Vous êtes banni jusqu'au 13 août, je crois, 13 août 9999. Voilà le truc. Bon. Ok, si vous voulez. Donc faites attention les mecs, hein, je vous conseille d'y jouer le jour même, le jour de sa sortie. C'est un méchant lui? Ouais, c'est un méchant. Allez, ça commence. J'ai tué le chien. Putain, quel brel. Mais quel brel, mais ça c'est la visée auto, c'est n'importe quoi ça aussi. Attends, faut que je me planque. Comment je me planque là? Oh, y'a un truc là qui est... Un truc qui nous permet de faire dépasser que ta tête quoi. Non? Ok, bon, allez. C'est quoi les armes qu'il y a là? C'est quoi ça? C'est un minigun, c'est un petit gun, je veux dire. C'est quoi ça? Ouais, ça c'est bien ça. Allez, go. Celle-là, elle est bien mutée. D'ailleurs, toutes ces armes sont bien mutées. Vous avez remarqué qu'on meurt assez vite et les armes sont super puissantes. Je sais pas si ça va être patché ou quoi, mais franchement, j'ai peur pour l'instant. Je tue lui. C'est un connard. Je tue pas les gens. Ah putain, il a tué les gens. Connard. Bon, c'est pas grave. Contact. Oh, ils sont où? Là. Allez. On avance. Bon, désolé, oh, putain, désolé si je prends mon temps pour regarder un peu les environnements, mais c'est important, les gars. Ah, bon, je suis pas satisfait du moteur graphique qu'ils nous proposent, c'est exactement le même. J'aime bien, ils nous disent, ouais, on va changer pour une fois, blablabla, c'est peut-être que pour l'Xbox One et la PS4, hein. C'est possible, je suis capable de faire ça avec Activision. Enfin, Infinity Ward. Ouais. Bon, ça reste quand même potable, on va dire, c'est pas non plus... non plus super beau, mais c'est potable, c'est regardable, on va dire. Je vais pas me mettre à vomir hein, comme un con, mais ça va. Allez, je tue les gens, ouais. Go go go. C'est quoi ça? C'est un sniper? Non, c'est un MK14. Ça, j'aime bien ce truc là. Oula, pas avec ce viseur, donc je vais changer. S'il te plaît, je vais reprendre mon arme, voilà. Je déteste tout ce qui est gros viseur et tout, c'est que pour les snipers que je tolère, on va dire. Allez. Putain, mon dieu, c'est quoi ça? Je prends toutes les balles du monde, là. Non, non, je vais crever. Merde, la gueule. Putain, ils ont changé l'IA, j'ai l'impression qu'ils sont plus... Je rigole pas, déjà que les bots là, j'avais quand même pas mal galéré pendant un moment. Là, j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus forts, les mecs. Y'a un mec qui me tire dessus, mais où? Je veux bien le défoncer, mais il est où? Il est là. T'en as un qui est couché là. Enfoiré, bah, tu crois que je t'ai pas vu, toi? Viens.
J'aime les gâteaux, tiens, tiens. Allez. Putain, il est où? Attends. Il est où? Oh. Ok. Alors, très bien. Je vais pas tuer lui, le mec qui ressuscite. Ou alors c'est un autre qui a pris sa place. Est-ce qu'il y en a encore? Oui, il y en a encore, il y en a encore beaucoup. Attendez, une petite seconde, d'ici, ça va faire du bien. Alors. Hop là. Oh merde, merde. Lui, je ne sais pas rien. J'ai un rire dégueulasse. Enfin, quand je veux. Allez, go. C'est bon, il n'y a plus personne? Si, ça, c'est des méchants, ça. C'est moi, ils sont buggés, les gars. Et on est en face de vous, les gars. Ok. C'est pas grave. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, ça va encore. C'est bizarre, ça va. C'est vrai qu'il y a des chiens qui sont entraînés. Ah, ça, c'est des gentils, ok. C'est vrai qu'il y a des chiens qui sont entraînés comme ça. À être avec les soldats, quoi. Donc, ils ont pas peur des coups de feu, ils ont pas peur de tout ce qui. Bah, je sens qu'il faut faire péter un machin, là. Guide Rocket with the laser. Ok. Oh, mais il faut que je le... Faut que je le jette tout. Attends. Faut que je pète contre le mur, là. Ouais. C'est génial. Voilà, contre ça. Ok, le truc impétable. Take out Omni Chopper. Ah oui. L'hélico. Exact. Ouh. Ah, c'est bien ça, tu peux le guider avec Je peux péter le pont, là. Oh, pas de déso... Oh, putain. Qu'est-ce qu'il m'a mis, lui? Qu'est-ce qu'il m'a mis? Putain, j'ai pris une mob dans la gueule. Je me cache dans ces buissons, si beau. Regardez le détail, c'est magnifique. On se croirait dans mon jardin, les gars. Alors oui, je troll. Mais que voulez-vous? Sympa, des fois, de troller. Putain, je vais crever, je vais crever. Dégage, saloperie, là. Pas facile à utiliser ce machin là. Oh putain, je l'ai raté. Je l'ai raté. Bon. Je sens qu'il va être galère ce stinger là. Il y a plein de trucs avec un lock là, plus simple. Ouais. Vas-y, je vais l'avoir, je vais l'avoir. Mais putain, mais qu'est-ce qu'il fout mes roquettes? Mais pourquoi il est parti là-bas? C'est n'importe quoi. Attends, je recharge. Non. Putain, c'est n'importe quoi, je vais prendre ça, voilà. Mais putain, et c'est quoi ces hélicos? Ah bah bravo. Bon. On va essayer de se concentrer là parce que je fais n'importe quoi. Si j'arrête pas de crever comme une merde là. Ah, je suis encore dans mes buissons. Je sais quoi, je vais faire la pupute, comme ça. J'ai pas eu? Non. Non, attends. Mais il arrête pas de bouger, attends, je vais attendre le moment qu'il... Le moment où il bouge pas. Je vais me lever, je vais lui mettre un roquette dans l'œil. Là, 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 vite, 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 vite. Non, c'est mort. Ouais, c'est mort. J'attends qu'il revienne. Putain, il y a des connards sur le pont en plus, là. Là. Boum! J'ai touché, là. Ouais, c'est bon, il est mort, je crois. Crève. Il est mort ou pas? Non, il est pas mort. Munitions! Non! Vite, 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 casse-toi! Alors oui, je mange un chewing-gum en même temps, désolé si depuis tout à l'heure vous entendez le bruit dégueulasse. Putain, j'ai oublié de le... J'ai oublié de l'enlever. De le jeter, je veux dire. Tu as pété! Voilà. Jette mon chewing-gum vite fait, hop là. C'est génial! Liberty Wall, le mur de la liberté. Ok. Clear! Let's go! Ouais. Allez, ouvre. Ça fait combien de temps? 24 minutes. On va continuer à 35, j'arrête. Je peux pas faire plus, les gars. Hello? Ah, je peux rentrer dans ça? Ah, ok, d'accord, c'est ce qu'il fallait faire. Allez, tu peux y aller.
Ouais. Bon, hâte de voir ce qu'il donne sur Xbox One et PS4. Alors, je sais pas du tout ce que je vais prendre avec ma Xbox One. Déjà, Titanfall, il me le faut, ce petit jeu. Il a l'air pas mal. Battlefield 4 aussi, Call of Duty Ghost, Rise. J'ai kiffé, j'ai testé la Paris Games Week, c'est pas mal. Rise, Son of Rome et Dead Rising. Je vais prendre, ouais, je vais prendre ceux-là. Pour l'instant. Peut-être Forza après. J'aime bien Forza. Ouais! Je peux pas caresser le chien. C'est un beau chien, ça. Bon, encore une phase, on fout rien. Ah, quoique, un petit peu d'action peut-être. Non. Allez, go, go, go. Je suis toujours avec Esh. Bon. L'homme le plus lent du monde. Mais putain, tu peux pas... Voilà. Nous sommes au QG, alors. Elias. Bonjour Elias. Ah lui, c'est lui et son crâne polygoné. Je suis là. Ah, il parle à l'autre, ok. Wesh Garcia. Taylor. Jones. Putain, et les noms purement américains. Thomas, ok. Watson. C'est pas américain ça. Ah oui, ça c'est Esh et ça c'est Elias. C'est bon, j'ai vu les noms de tout le monde. Non, lui là. Thomas, ouais. Ah oui, je galère des fois. Hernandez, ok. The Fields, ok. C'est quoi lui? Sago. Smith. Smith, j'aime bien. Smith. Bon. Ouais, c'est pas très beau. Hein. Elle. Oh putain, c'est quoi ça? Ouh, c'est un Dragunov ça. Oh, un iPad. C'est une caméra ou c'est un lance-roquette ce machin? C'est une caméra. C'est pour filmer... Ok. C'est pour filmer quoi, ça? Oh merde, il met un coup dans le micro, désolé. En fait, on est dans la base, là. Je peux voir les noms des mecs, ici, d'ici. Johnson, il s'appelait. Ok. Bon. Un succès, évidemment. Allons, continue un petit peu, on va s'arrêter là. Donc il faut que je finisse le solo. C'est vrai qu'en général les solos sont pas assez longs, hein, des Call of Duty, en général c'est 6-7 heures. Bon, j'espère que sur celui-là c'est un petit peu plus long. Et on va essayer le mode extinction quand j'aurai fini le solo. C'est vrai qu'en ce moment j'ai pas beaucoup de temps pour jouer. Ça va être... il faut que j'y passe la nuit, là. Non, mais sauf que demain, j'ai beaucoup de trucs à faire. Bon, je sais pas, on verra. Oui, je raconte ma vie. Ça m'arrive quelquefois. J'aimais le logo des... Le logo de... Du fantôme, là. Enfin, du masque. Non, ça ne bug pas, c'est dans le jeu. Voilà. Oh non, putain, j'aime pas ces séquences-là, là. Ah, on est caché dans mon jardin. Ouais, je suis prêt. LB, fort attaque. Ah, je contrôle le chien. Oh, c'est génial ça. Enfin, je contrôle le chien. En fait, il y a une caméra sur le chien. Enfin, il y a un système qui me permet de lui dire d'attaquer un tel ou un tel. Ok. Ah, c'est bien ça. Parce que je peux l'utiliser tout le temps. Non. Ok. C'est bien pensé ça. Hello. Évidemment. Bon. Ah, ça me dit quelque chose, ça. On l'a vu tout à l'heure, c'est le truc où il y a le camion qui s'est explosé dessus. Putain, c'était super spectaculaire, le truc de tout à l'heure. Mon dieu. Fuck les oiseaux! Il n'y en a aucun qui meurt. Qu'est-ce qui se passe? Ça tremble. Bon, je te suis. Là, le chien, il est prudent, là. Bon, je m'en fous, Riley, j'avance, moi. Pff. Oh putain, il y a des trucs qui se pètent la gueule, là-bas.
Ok. Qu'est-ce qu'on fait là? Il faut que je contrôle le chien. Ah, je peux contrôler le chien. Tiens, je vais attaquer lui là. Non, je peux pas. Ah, je peux contrôler le chien. Et c'est bien ça. Bah, attaque-le. Voilà. Oh putain, il est énervé le chien. Ah, c'est pour aboyer. Ah putain, je voulais enchaîner pour faire une musique d'aboiement. Genre, aou, 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 aou. Bon. Oh putain, il court vite. Allez, attaque, attaque. Il défonce. Quoi? Il est mort mon chien? Oh, il est mort mon chien. Bon. Bon, bah, désolé s'il y a des gens qui aiment les animaux, qui sont à fond avec la SPA et tout ça. Ah oui, on peut tuer les chiens dans ce jeu. Quelle triste vie, c'est dommage. Je sais, je sais. Sniper, mais comment je fais pour le buter le sniper? Ah voilà, il l'a tué. Alors là, je rush sur son pote. Sprint, ouais. Bouffage de gorge. Voilà. Tiens, toi aussi, viens. Viens, viens, viens. Viens, enfoiré de... Paquet de merde, là. Tu voulais t'enfuir, paquet de merde. Bon, allez, go. Où est-ce que je suis? Ah, allez. Ah, encore une petite phase de ralenti. Je vous parie, combien je parie? Je parie, 2 Twix, que c'est une phase, voilà, c'est ça, une phase de ralenti. On débarque comme il sort, le mec. Ouais. Je t'ai fait des hémorroïdes. Ah. C'est dégueulasse, bon, allez. J'ai parié 2 Twix, les mecs, vous me devez tous 2 Twix. Merde. Ah, je peux lancer le chien qui attaque comme ça aléatoirement. Yeah. J'ai même pas fait la campagne de Black Ops 2 pour vous dire. Je sais même pas pourquoi je l'ai pas faite d'ailleurs. Faut voir. Peut-être que je mets la face. Apparemment, elle est bien. Enfin, elle est bien. C'est une campagne de Call of, mais. Elle est spectaculaire. Elle bouge bien. Apparemment. Après, faut que je la fasse pour juger moi-même. D'ailleurs, c'est comme mes vidéos, les mecs. Ne vous fiez pas aux vidéos. Je vous propose de. D'ailleurs, il y avait quelqu'un qui l'a mis dans les commentaires, ça. Il a raison, quand j'ai lu le commentaire, je me suis dit, oui, il a raison, c'est ça, de juger le jeu tant que vous l'avez pas testé. C'est mieux de tester par vous-même et voir si ça vous plaît vraiment ou pas, si ça vous plaît pas, là, quoi. Mais bon, quand même, vous faites une petite idée avec les vidéos, pour voir si ça peut potentiellement vous plaire ou pas. Donc c'est pour ça que je fais ça aussi. Bon, allez. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, je suis Rambo. Chuck Norris, mon pote, moi. Je rush avec les petits guns. Ok. Lui qui s'excite pour rien, je vais envoyer le chien, vas-y. Vas-y, attaque, attaque. Oh putain, y'en a... Y'en a là, y'en a là. Boum. Ouais. Oh putain. Dans la maison. Non. Faut arrêter sac. Enfoiré de paquet de merde. Ouah, c'est bon. Ouais, je suis en mode nouvelle expression en ce moment. C'est paquet de merde. J'aime bien cette expression. Sale paquet de merde. Tiens. T'as plus de tibia, mon pote. C'est quoi son arme? Un K12. Ouais. ACOG. Putain, mais c'est quoi ce... C'est quoi ce viseur atroce? Bon. Bon. Ça fait combien de temps, là? 33 heures. On va pas tarder à s'arrêter. Ouah. Get cover, bitch. Do you cover me if you not cover you of the crew? Méchant, méchant! Merde, mon chien, j'ai failli défoncer mon chien. Cover me if you not cover to you of me of... Ok. Oui, j'ai mon prof d'anglais décédé. Malheureusement. Bon. Qui se passe là. I think this way. Okay, I follow you all. Then what you got a tank? Damn.
Ouais. Rien à foutre. J'ai pas d'easy, moi. C'est boring. Ouais, je vais crever comme une brenne, c'est ça. C'est ça, c'est exactement ça. C'est génial. Ouais, en fait, j'ai fait le con. Donc, mais là, c'est pas grave, on va s'arrêter là. Donc ouais, j'espère que ça vous aura plu, cette petite vidéo. Donc désolé que ça dure pas si longtemps. Moi, je vais arrêter tout de suite parce que je dois aller dormir tôt. Et je vais finir le jeu. Normalement, pour demain, ça devrait être fait. Et je vous ferai peut-être une petite vidéo découverte sur le mode extinction parce que ça me tente bien, ça a l'air pas mal. Voilà, c'était Wax sur Call of Duty Ghost, le mode solo. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis ciao, à la prochaine. Hello.